Hey, it's me. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à mon bureau. Pourquoi ? Parce que vous allez passer une journée avec moi en mode étudiante, en mode je vais en cours, je vais à la fac. Notamment, cette vidéo m'a été demandée en commentaire sous l'une de mes anciennes vidéos. Donc je me suis dit que ça aurait pu être sympa de faire cette vidéo. D'ailleurs, si t'es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Emma, j'ai 20 ans et je suis en études de médecine. Je fais des vidéos YouTube tous les mercredis à 18h. Surtout, majoritairement, on va pas se mentir, la bouffe, la nourriture, des recettes sympas et des challenges. Je parle pas souvent de mes études, j'avoue, mais il faut savoir que je suis en troisième année de médecine sur Paris. J'ai choisi aujourd'hui justement parce qu'en fait je vais à la fac. Il faut savoir que on peut aller à la fac, mais que ce n'est pas obligatoire et nous on a un système dans notre fac où on a déjà nos cours écrit, actualisé grâce à, en fait, à une organisation des élèves. Je préfère largement étudier de chez moi, donc ce qui fait que à 90% je pense, je suis chez moi et je vais à la fac uniquement quand c'est obligatoire pour des TD. Donc j'ai attendu ce moment au moins pour vous montrer cette journée où je vais à la fac parce que j'avoue que ça fait peut-être 2 semaines que j'ai pas été à la fac. Comme vous avez pu le voir dans la petite intro de ce matin, je me suis réveillée. J'ai commencé à travailler à 7h45. Je préfère travailler tôt et finir tôt que travailler tard et finir tard. Je suis plus du matin, j'avoue. J'espère que cette vidéo te plaira. Et ben moi, je te laisse découvrir un petit peu toute cette journée avec moi. It's my life. Bon, eh bien, je pense qu'il est l'heure de prendre le petit déjeuner parce que là, il commence à être tard, je commence à avoir faim. Et ce matin, j'ai très envie de me faire quelque chose de salé, une sorte de tacos, burritos, pas gras à mort, mais vraiment quelque chose d'assez réconfortant. Je sais pas si je dis réconfortant, mais j'ai l'impression que tous mes repas, je les veux réconfortants, mais c'est le cas, genre. C'est déjà prêt, vraiment très rapide, c'est tout ce qu'il me faut quand je vais à la fac parce que j'ai pas vraiment le temps. Petit test. Vraiment hyper bon. Faut que je parte vers 13h de chez moi, donc... Donc il me reste quand même un petit peu de temps pour retravailler parce que voilà, là, en vrai, la réalité est que je travaille quand même assez et beaucoup. C'est pour ça que j'étais un petit peu réticente à l'idée de vous faire une petite vidéo sur ma journée étudiante parce que bah franchement, la majorité du temps, je suis à mon bureau et juste je travaille. Mais aujourd'hui, ça, comme j'allais à la fac et en plus j'ai quelques trucs de prévu, ça pouvait un petit peu apporter de la nouveauté. Mais la réalité est que je suis vraiment à mon bureau presque toute la journée. Donc, c'est pas fun même pour moi, ni pour vous pour regarder. Je vais me mettre, comme toujours, une petite série. Non, peut-être pas une série, une vidéo YouTube, c'est plus simple.
pour accompagner ce tacos, burrito, ce je sais pas comment on appelle, wrap. Actuellement, il pleut des cordes et je dois aller à la fac dans... Faut que je fasse ces calculs. Il est 11h30, 12h30. Je dois aller à la fac dans 1h30. Enfin, je dois partir de chez moi dans 1h30. Il pleut des cordes. Mon envie d'aller à la fac, elle est invisible, elle est nulle. Surtout que je vais à la fac en scooter. Donc la pluie, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que déjà, je vais en scooter, c'est déjà très très... Enfin, je préfère largement que d'aller en transport. C'est l'heure de partir pour la fac pour 2 heures. Bonne nouvelle, c'est que il y a du soleil, il pleut plus. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'on se coûte, voilà. Let's go. Bon, je viens tout juste de rentrer de ma fac, c'est bien passé, c'était assez cool parce que c'était une sorte de c'était un télé, donc c'est pas vraiment des cours. Mais plus des exercices. Je commençais à avoir faim, du coup je me suis fait un petit protein shake. Je l'avais déjà présenté dans une de mes précédentes vidéos. Mais voilà, très simple. Flocons d'avoine, protéines en poudre, lait végétal et banane. Et il est 16h et dans 30 minutes, notamment mon job étudiant, je donne cours en fait à des élèves en maths par exemple, ou en physique, ou enfin dans des matières en distanciel. Je fais que 2 heures par semaine, donc c'est pas énorme, mais ça me permet d'avoir un petit peu de revenus en fait tous les mois. En plus, c'est de chez moi, comme c'est en distanciel, donc c'est hyper hyper simple, c'est hyper pratique. Donc, tous les mercredis et les dimanches, j'ai 1 heure où je dois donner cours. Donc là, c'est ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je vous ai vraiment montré une journée assez chargée vu que j'allais à la fac et que j'avais mon job étudiant. Il faut savoir que j'ai quand même une autre routine quand j'ai zéro contrainte. Je prends le temps d'aller à la salle de sport, je prends le temps d'un peu plus cuisiner. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plairait de voir aussi ma routine étudiante quand je suis à la maison uniquement. Je me suis douchée et donc il est temps de faire un petit peu de montage YouTube et je vais notamment monter la vidéo que je suis en train de faire là, au moins ce que j'ai fait ce matin. Donc j'ai pas mal de travail déjà et je vais faire ça une petite heure. Donc voilà, quand ma journée est à peu près terminée, j'aime bien me poser une grosse heure pour faire du montage de YouTube, d'Instagram. Ça prend vraiment du temps, mais c'est aussi ça qui me plaît et j'adore faire tout ça. Donc je m'y attarde forcément. Bon, et bien je viens à l'instant de finir de manger. Ma journée est, on va dire, off. Il est 20h. Le soir, j'essaye vraiment de ne plus travailler, même si j'ai encore beaucoup de choses à faire. Après manger, je me dis stop. Et ce que je fais, c'est que je regarde une série. Franchement, je suis encore à fond avec Gossip Girl. C'est la fin de cette journée et du coup de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et j'espère que t'auras pu un petit peu plus découvrir mon quotidien, mon monde. N'oublie pas que si t'as aimé cette vidéo, lâche un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Ça me fait super plaisir, ça soutient vraiment ce que je fais. Et si tu as d'autres recommandations de vidéos, je t'invite à juste lâcher un commentaire et me dire ce que tu te souhaiterais
voir dans une prochaine vidéo. Et nous, on se voit mercredi prochain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Passe une bonne semaine et à mercredi prochain. Bye! It's my life.